Questa mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella. Questa mattina mi sono alzato e l'ho trovato, l'ho preso. Oh partigiano, dammi via. Bella ciao, bella ciao, bella. Bel partigiano, pour poursuivre leur politique. Oui, mais nous sommes bien obligés de continuer. Eh bien, nous leur disons, c'est la poursuite de votre politique de l'extrême droite. Et à tous ces partisans, balayez dans votre porte et laissez-nous travailler à des alternatives. Laissez-nous la place pour travailler à des alternatives en Europe et nous saurons combattre le danger de l'extrême droite. Nos camarades espagnols, toutes les forces démocratiques en Europe portent un bout partout des alternatives à ces politiques. Il n'y a pas un seul chemin pour l'Europe. Il faut finir avec le dogmatisme libéral. Un formidable événement populaire pour le week-end. Cette France n'est pas politique. Eh bien, plus aussi à même des éléments qui vont. C'est toujours quelque chose qu'on entend souvent qui est de pouvoir dire non. Demain, mais c'est pas encore très bien dit. Et c'est très tard aussi pour le faire en détail. Mais en tout cas, donc, mon message est celui de l'importance de savoir qui est en face de nous, qui prend la décision, sur quelle base, sur quelle information, et surtout de témoigner que les orientations prises ne tiennent pas compte de l'ensemble des informations disponibles. La rupture du tissu social, la récession sans précédent, la plus longue en Europe en période de paix, et finalement une crise humanitaire profonde, établie en Europe pour servir le droit fondamental social et de protection démocratique en tant que de mesures unilatérales.